Wow! Et on pleure, encore deux. Oh, ça va, Linda, tu t'amuses comme une petite folle, toi. Ah oui, j'adore ce toast. C'est vraiment trop drôle, ça me met en forme le matin. Allez. Il faut pas grand-chose. Hein. Oh, mais qu'est-ce que tu as, José? Mon Dieu, tu es de mauvaise humeur. Tu as fait un cauchemar, hein? Non, non, c'est pas ça, c'est l'eau de flemmarde. On devait préparer le petit-déj tous ensemble ce matin. José, arrête. Laisse-la se reposer si ça lui fait du bien. Puis si ça l'aide à oublier Sébastien, ben c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il est grincheux le matin, c'est pas possible. Et hop là, encore deux, voilà. Eh oh, Linda, c'est bon, le tout bien lancé. Ok, ok, j'arrête. Bah, laisse-la aller tranquille. Elle a reçu un gros coup sur la tête, tu vas pas commencer à lui faire la guerre. Attends, je fais pas la guerre. Je la considère comme quelqu'un de tout à fait normal. Hier, elle a pas débarrassé la table, elle a pas fait la vaisselle. Et ce matin, elle nous aide même pas à faire le petit-déj, ça va, quoi. Bon, allez, calme-toi. On va lui parler à Lali. Et puis, de toute façon, écoute, pour le matin, elle nous a rarement donné un coup de main, hein? Donc, ça change pas grand-chose. Ça, c'est bien vrai. Bonjour. Ah, bah, te voilà quand même, Lali. Tu as bien dormi? Ouais, très bien, merci. Bon, Lali, il faudrait peut-être que tu bouges un peu, d'accord? Ah bon, je te gêne? Bah, je vais pousser ma chaise. Hein, non, non, je parle pas de ça. Je dis que tu fais plus rien maintenant, d'accord? T'es là à papillonner de droite à gauche et tu nous aides plus. Ça va, quoi? Faut que tu réalises qu'une fois pour toutes, on est sur Terre, d'accord? José, doucement quand même. Non, mais c'est bon. Il a raison. De toute façon, j'y ai réfléchi pendant toute la nuit. J'ai décidé de changer de vie. Je voudrais élever mon âme, en fait. Hein? Attends, mais Lali, mais qu'est-ce que tu racontes, là? C'est quoi? Non, j'ai décidé d'élever ma spiritualité. Je veux me rapprocher de la nature, vous comprenez? Et comment est-ce que tu comptes faire ça? Eh bien, déjà, je vais commencer par devenir végétarienne. Et puis après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier le bouddhisme pour essayer de comprendre mon karma. Ah, d'accord. Peace and love, quoi. C'est ça, tu nous fais un trip, baba, cool. Écoute, José, moi j'en ai marre. On vit dans un univers où les uns sont contre les autres, où on se détruit tout le temps, on a les deux pieds dans la vase. Alors, bon, moi j'ai envie de trouver la paix. La paix. Oui. Eh ben oui. T'as raison, Malali. Puis on va te faire un bon petit déj pour l'instant avec des toasts, de la confiture. Non, non, c'est bon. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, je ne mange que de la nourriture macrobiotique. Oh. Macro quoi? T'expliqueras plus tard, Jimmy. La sagesse. Je vais enfin atteindre la sagesse. Lali nous fait un retour de 68 heures attardé, c'est tout. Moi, je trouve qu'elle n'a pas complètement tort. C'est vrai qu'on mange n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on n'élève pas assez notre âme. Comment ça, toi, mon âme, elle est très bien comme elle est. Hein. Olivier, il est pas là? Salut. Ah, salut Nathalie, justement, on vous attendait. Ah. Ouais, Olivier n'est pas avec toi, là? Ben non, il est malade pendant quelques jours, il peut pas répéter avec vous. Oh. Suite. Désolé pour vous. Bah nous, ce n'est pas grave, hein. C'est surtout lui. Ça va quand même? Ouais, enfin le médecin a dit qu'il fallait qu'il reste au lit 2-3 jours et puis ça ira après. Comment ça 2-3 jours? Comment on répète nous? Non mais attends, José, t'as jamais été malade toi peut-être? Non. Bah on peut très bien répéter sans lui. Ouais, ouais, exactement. Bon bah moi je vais vous laisser, je vais aller dorloter mon petit Olivier, d'accord? Ouais, je vais y aller aussi moi, tu vois, je vais le secouer. Tu me prêtes ta moto? Bon, d'accord. Allez, allez. D'accord. Tu l'embrasses très fort pour nous. D'accord, ok. Salut. Allez, ciao. Ciao. Bon, ben. On a tous les deux. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ben rien. Je te trouve très belle. C'est... Ah, je te sens romantique aujourd'hui. Manuela te manque? Hein? Ne me parle pas de Manuela. Pourquoi? C'est une fille adorable. Et vous iriez très bien ensemble. Hein? C'est vrai que c'est une fille adorable, mais... Mais? Mais je ne suis pas amoureux d'elle. Tu es sûr? Bah oui, je suis sûr. Ah, c'est dommage. Parce que je crois qu'elle t'aime. Bah je sais. Je sais pas comment faire. Bah, laisse faire le temps. Ça va peut-être s'arranger et... Tu vas peut-être finir par l'aimer, hein?
Non, je ne crois pas. Mais... Et pourquoi? Parce que... Bon, voilà, je te l'ai jamais dit, mais Cynthia, c'est toi que j'aime, moi. Mais moi aussi, je t'aime. Tu sais bien, tu es mon meilleur ami. Oh, Cynthia, ce n'est pas de ça que je parle, moi. Je n'ai pas seulement d'amitié pour toi. Je t'aime de l'amour, moi. Ah. Je crois que tu mélanges tout. Hein? Ah non, justement, je ne mélange rien. C'est ça le drame. Toi, t'as de l'amitié pour moi. Hein? Moi, j'éprouve de l'amour pour toi. Tu comprends? C'est... Le... Je sais pas quoi te dire. Oh, excuse-moi, je suis idiot, mais... Et je n'aurais pas dû te le dire. Mais non, tu n'es pas idiot. Et tu sais... Cynthia... Et Jim. ok, j'ai compris. Lali. Non mais, vous inquiétez pas pour moi. Hein. Peace and love, les enfants. Je suis hyper contente de voir comme ça. Lali, t'es sûre que tu veux rien boire? Non, il n'y a pas de jus de carotte. Non, je préfère ne rien boire. Tu sais que c'est très mignon ce que tu portes. Ah ouais? Hein? Ça vous plaît? J'ai trouvé ça aux puces. Ils ont plein de trucs hippies là-bas. C'est super. En plus, je suis sûre que si vous y alliez, eh bien, vous trouveriez des trucs pour vous. Ben, moi, je suis bien comme ça. Hein. J'aime bien mon style, moi. Ouais. Je suis pas aussi original que toi, mais ça va. Ouais, remarque, il vaut mieux que chacun fasse exactement ce dont il a envie, hein, parce que sinon, c'est pas bien. On fonctionne pas, enfin, il faut pas fonctionner les uns par rapport aux autres. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Tu as raison, ouais. En fait, puisque vous êtes là tous les deux, je voulais vous dire, il faut que vous sachiez que, en amour, il n'y a pas que l'amour physique. Pourquoi tu nous dis ça, nous? Parce que souvent les gens pensent qu'ils sont amoureux les uns des autres et en fait la seule chose qu'ils veulent c'est posséder physiquement le corps de l'autre. C'est tout et ça mène à rien, forcément. Ah, t'as raison, je pense comme toi, moi. C'est bien, Jimmy. Ah bah dis donc, tu deviens philosophe maintenant? Non mais bon, j'ai lu ça dans un bouquin. En fait, quand on fait l'amour avec quelqu'un qu'on n'aime pas, tout ça. Toutes nos pensées ne servent qu'à alimenter des âmes négatives qui sont là, au ras du sol, et qui s'accrochent à nos pieds comme des espèces de petits boulets qui nous tirent par le bas. Oui. Et tout ça grâce à quoi? À la bassesse de nos instincts. Ah. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Tu apprends ça dans ces bouquins? Ouais. Je les ai trouvés dans une librairie spécialisée juste à côté. Ils sont hyper sympas. Oui, mais fais quand même attention, là, Léa. Il ne faut pas croire tous ces genres de choses, là, dedans. Non, mais t'inquiète pas. Non. Moi, je suis une fille hyper intelligente. Je sais faire le tri, c'est vrai. Oh. Enfin bon, voilà. Je voulais juste vous donner un petit conseil. Essayez d'être heureux. Lali, tu ne diras rien aux autres de ce que tu as vu tout à l'heure? Mais j'ai rien vu tout à l'heure, c'est vrai. Il faut que vous compreniez que ma spiritualité me détache de tout ce qui est matériel autour de moi. Et par conséquent, je n'ai rien vu tout à l'heure. Ah. Bah, merci, Lali, hein. Merci. Non, vous pouvez pas savoir combien je me sens bien. C'est vrai, c'est comme si j'étais sur une planche de salut. Un truc qui fait que mon âme est détachée du corps. Mon âme s'en va dans le cosmos. Et le cosmos est comme une espèce d'espace intersidéral uniquement chargé d'ondes positives. Vous comprenez? Ça a l'air un peu compliqué quand même. Non, vous inquiétez pas, je vous expliquerai. Tiens, voilà, José. Salut. Salut, comment va Olivier? Il est complètement raide, le pauvre. Oh, le pauvre. Et donc, tu as trouvé notre homme au garage? Bah, évidemment, sinon je serais pas là. Bonjour, mademoiselle. Bah, José. Oui.
Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Dis-moi quand tu fais un truc, tu vas à fond, hein. Tu pars pour quatre mandous. Tu sais ce que tu essaies de faire, là? T'essaies de me dominer. Tes couches magnétiques. Essaye de manger mes couches positives. Tu veux me dominer, hein? Eh ben, c'est raté, José. Mais Lali, qu'est-ce qu'elle a pris des champignons hallucinogènes? Je vous avais dit de les surveiller. Hein. C'est quoi ces bouquins? Tu touches pas. Ça sont mes livres. Moi, je m'instruis, monsieur. Ah ouais, d'accord. Les nouvelles yoga, les nouvelles pensées, super. 70, les années hippies, yes. L'évitation au dieu son. La voix intérieure. L'amour de tes frères. Non mais, Lali, t'as complètement pété les plombs, quoi. Ou c'est toi qui vois rien. Moi, je me dirige vers la lumière, alors que toi, tu vas vers la cave, comme d'habitude. Mais Lali, ma chérie, on approche de l'an 2000, qu'est-ce que tu me fais? Oui, mais justement, tu vois pas qu'on s'enfonce, José? On s'enfonce, là, on s'enfonce complètement. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? La haine, le sexe, l'argent, voilà, c'est tout ce qui compte. Mais dis-moi ça, c'est... Arrête! Pas toi sans plus! Mais tu dis n'importe quoi, c'est du pipeau tout ce que tu racontes. Ça ne fonctionne que si tu vis en haut d'Himalaya avec, avec trois moines tibétains, je sais rien. Écoute-moi, tu es chargé de ton négative et tu m'empêches de me concentrer. Je vais lui cogiter ailleurs. Pardon, au revoir. Et qu'est-ce qui lui arrive? Mais laisse-la, si elle est heureuse comme ça. Ouais, faut quand même la surveiller, hein. Linda, t'as vu l'heure qu'il est? Elle avait dit qu'elle nous rejoignait ici. Mais ne t'inquiète pas, écoute, elle va arriver. Je connais bien Lali. Elle a toujours mille choses à faire dans une journée. Mais justement, moi, quand elle est partie ce matin, elle m'a inquiétée. Tu l'as pas trouvé bizarre, toi? C'est vrai qu'elle a plané un peu. Je ne sais pas dans quelle folie elle se lançait encore, mais je suis sûre que ça va être quelque chose. Ah, mais elle est là, regarde. Voilà, toi, mais on s'inquiétait, nous. Ça, j'ai des filles. Lali, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Vous trouvez pas que c'est plus joli? Je trouve que ce sont des couleurs beaucoup plus spirituelles. Ouais. Enfin, tu as un peu forcé la dose, non? Bon, tu vas faire un peu de sport avec nous? Ah non. La gymnastique est un viol pour le corps, c'est vrai. Chaque effort sur nos muscles est une contrainte qui torture notre corps jour après jour. Oui, t'as fini de dire n'importe quoi, là, et puis t'essayes de pas échapper au sport une fois de plus. Voilà, allez, va te changer, on va te tendre pour continuer. Non, les filles, maintenant, c'est l'heure de la méditation. Est-ce que tu médites maintenant? Oui. La méditation est une pratique qui permet d'accéder à un état spirituel supérieur. Il s'agit de vider de sa tête toutes les pensées parasites. Ah. Ah là, on atteint des sommets quand même, hein. Et tu penses t'y prendre comment pour méditer, toi? Je pratique le satnam. Tu peux m'expliquer un peu, là? Je comprends pas. Bon. Le satnam est une position du yoga qui permet de puiser en nous toute l'énergie solaire dont on a besoin. Voilà. Ah non, mais là, Linda, elle a raison. Elle a raison parce que, et ici, franchement, le soleil brille tellement que ce serait dommage de ne pas en profiter. Hein. Le satnam, pour le satnam, c'est vraiment pas important l'endroit où on se trouve. Ce qui compte, c'est que tu puisses te connecter directement avec l'énergie que tu désires. C'est tout. Puis voilà. Et où? Qu'est-ce que tu fais maintenant? J'essaye de me concentrer et d'enlever de ma tête toutes les pensées parasites. Mais avec vous, c'est vraiment difficile. Bon, voilà. Allez, on arrête le délire, Malali. Tu avais un peu de shopping avec nous, ça te changerait les idées. Ça fera du bien, je pense. Je sais pas, j'ai une conférence dans une heure. Et c'est une conférence sur quoi? Le grand maître yogi qui pratique le satnam aux États-Unis est de passage à Paris et il donne une conférence dans une heure. Et je ne peux pas rater ça, vu? Lali, tu t'embarques dans quoi, là? Je m'embarque sur le chemin de l'amour universel supérieur. Nous sommes tous libres. Il n'y a pas de barrière. Où tout est beau. Oui, mais, c'est ça. Mais... Bon, écoute, Lali, nous, on va y aller. On te rejoint à la maison, d'accord? Ouais. Et sois prudente, quand même. Pas trop de bêtises. Vous inquiétez pas, mon ange gardien veille sur moi. Oh, ben maintenant, si on a le droit aux anges, là, on est tranquille, hein.
Va tout à l'heure, Lali, et dis bonjour à ton ange de notre part, ok? Oui, oui, voilà. Hein? Oh. Hey, qu'est-ce qui se passe tous les deux là? Bah nous, bah rien, ça va. Ah ouais, bah oui, ça a l'air d'aller même très bien. Dis-moi, Jimmy, c'est fait. José, tu deviens comme Lali maintenant? Attends, tu parles pas d'elle, hein? Cette fille a disjoncté. Vous avez vu sa dégaine, hein? Oh. Alors s'il vous plaît, cool et faire out. Hein. Bah ok, écoute, si elle se sent bien comme ça. Non, non, elle est pas bien. Bah, c'est plus ce qu'elle fait. Pas forcément. Peut-être c'est pour elle moyen d'oublier Sébastien. Ouais, non, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle se voile la face et tout. Non, moi je trouve ça plutôt sympa, moi. Ce côté passé fils d'amour universel. C'est beaucoup plus sympa que toute cette violence qu'il y a sur cette terre. Mais c'est complètement irréaliste, tu dis n'importe quoi, c'est ridicule. Salut chez nous. Oh, salut les filles. Ah bah dis donc, comment vous faites des cours, vous en faites vraiment, hein? Mais il y a des soirs en ce moment, donc on en a profité. Ce soir. Bah alors toi, ça a pas l'air d'aller. Bah lui, il s'inquiète pour l'aller, lui. Tu t'inquiètes pour les autres, maintenant? Exactement. Depuis que Seb n'est plus là, je me sens responsable de vous toutes. Hein? Oh. Salut. Entrez, mes frères, entrez, mes soeurs. Salut. Bonjour. Hein? Lali, qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi, tout ça? Mais rien, ce sont des amis que je me suis fait à la conférence sur le Vietnam. Allez, installez-vous. Salut, amis. Que la paix soit avec vous. Que l'amour vous pénètre. C'est qui, ces gens? Ah oui, c'est... Bah, je vous présente Pâquerette. Ah, salut, c'est lui. Bonjour, Pâquerette. Il y a aussi Pipao. Cool, mes frères, cool. Alors, ma fleur, tu te sens bien? Oui, très bien. Très bien. Bon, il y a aussi Milou. Et Milou? Ah, salut à tous. C'est bon, Roger, Bob, Raoul, enfin voilà, quoi. Ah, c'est sympa ici, hein, Lali. Dis-moi, mais tu crois qu'on pourrait rester là? Ah, mais ouais, bien sûr, ce serait super d'ailleurs. Ben oui, pendant que vous travaillez pas, ça me dérange pas. Attends, j'ai pas bien compris là, tu comptes t'installer ici avec tes potes? Mais c'est chez nous aussi. Mais chez vous, chez nous, mais c'est pareil ça. Nous, on vit en communauté, on partage tout. L'amour, la nourriture, l'énergie. Ouais, d'accord, ça va. Ben pas ici, d'accord. Plutôt tu lâches mon blouson, t'as compris? Plutôt t'arrêtes tes bêtises. Allez, hop dehors. Mais dis-moi, Lali, mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement de violence là? Je sais pas, mais arrête, José, ça suffit. Bon, Jimmy, t'arrêtes de les regarder comme ça, tu m'aides à les virer. Allez, hop. Bah oui, vas-y, doucement, là. Bon, excusez-nous, il faut qu'on travaille, il faut qu'on répète ici. Ok, d'accord, ouais. Fais ça. Ouais. Dis donc, tu sais que t'es mignon, toi? Je suis sûre que t'es dans mon karma. Merci, c'est sympa, Pâquerette. Ouais, c'est ça, dehors, allez, ciao. Quant à toi, je te pardonne parce que je t'ai toujours pardonné. Mais je vois que vous êtes loin du chemin de la vérité. Enfin bon, que la paix soit avec vous. Ah bah, toi aussi. Et ne l'oubliez pas. Non mais attendez, là, ça vous dérange pas de laisser partir avec ces loufoques, là? Ben si. Oh là là, c'était bien vraiment inquiétant, maintenant. Je vous l'avais dit! Hein? Entrez, on s'attend à venir. Ouah, cool, la crèche! J'hallucine, là! Les couleurs des coussins, j'hallucine! Oh. Et Lali, t'as pas un truc à manger? J'ai hyper faim. Si, la cuisine est là et le frigo est plein, tu peux y aller. Et attends-moi, Minou, moi aussi, je crève la dalle. Hey Pipao, file-moi le laser et la stéréo là. On va faire péter la musique. Tu vas voir Lali, ça va décoller. Ah ouais, mais c'est cool, fais-moi planer. Allez, tiens, mets ça. Ah super, merci mon frère. Dis donc Lali, c'est tes potes qu'on a vus tout à l'heure là? Ouais, ils vivent avec moi. Oh là là, mais comment ça marche ce truc là? Ah, attends, je m'y connais en électronique moi. Alors attends, ça doit être ce truc là. Et. Là. Ah, bravo, Pipao. Tu l'as trouvé, le bouton pour mettre en marche. Oh, c'est cool, l'électronique. J'aurais dû en faire. Ouais, bah maintenant, il nous reste plus qu'à trouver le bouton pour faire péter le CD, là. Lali, qu'est-ce que tu fais? Quoi? J'ai invité mes nouveaux amis à la maison. Mais Lali, t'es malade, on n'est pas Woodstock, ici. Ça y est, ça marche. Ça suffit! Lali, t'es content, tu me les fous dehors, y'en a marre maintenant! Allez! Tiens, goûte pas ce poivre. Oh, qu'est-ce que vous faites à vous deux? Là, on est en train de casser une graine.
Ne t'affole pas. Ouais, faut bien que vous allez les casser ailleurs. Et hop, dehors. Et hop, dehors. Mon frère, ok, Raoul, j'ai pas les carottes. J'adore les carottes. Mais elle veut vraiment qu'ils vivent avec nous, c'est pas possible. Bah on pourrait peut-être tous les garder au grenier ou... Bon, et toi? Non mais attendez, vous allez pas tomber dans son délire, vous êtes malade ou quoi là? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est quand même délicat par rapport à Lali. Mm. S'ils font partie de son nouvel équilibre. Oh, mais je sais ce que je vais faire. Où tu vas? Je vais les tuer un par un. T'énerve pas, José, ça ne sert à rien. C'est vrai, après tout, elles ne sont pas très méchantes. Non, pas méchantes, mais assez envahissantes, non? Mm. Non mais c'est vrai, t'as raison Linda, mais bon, on peut peut-être essayer de les garder un jour ou deux. C'est hors de question. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est les méditations sur l'énergie solaire. Je rêve! J'y vais. Satna. 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 Amour, mes amis, tout n'est qu'amour, je vous aime. Ok. Moi aussi, je vous aime beaucoup, mais alors énormément. Vous voyez cette porte? Je vais l'ouvrir, vous allez sortir. Sinon, je vais vous envoyer assez de monde négatif pour vous envoyer 3000 mètres sous terre. Vous, votre karma! Dehors! Allez! Il a, lui. Me laisse, il est néant. Je suis néant, tu vas voir si je suis néant. Allez, deux chevelures. Hein. Allez, hop. Allez, dehors. Allez, c'est parti. C'est parti, hop, allez, terminé. Ok, on y va. Allez, vite, dehors. José. Allez, du douche. José! Quoi? Rien. Tu es mon frère, José. Et je t'aime. J'attendrai que la vérité atteigne ton karma. C'est tout. Peace.